Top, c'est parti aussi. Eh ben écoute, j'attends ton duel. Alors, en mode, bah voilà, Bon, est-ce qu'on peut le faire d'ici? puisque je sais ce que tu joues, je vais te dire ce que je joue aussi. Moi, ça va être un mage. Ah Ah ah! Je peux quand même virer. Ok. Bon, il est pas au petit, hein, donc. On va voir. 6 oignons. Bah moi c'est le deck que j'ai créé ce matin pour faire Ah oui, mes deux wins là, pour prendre les 40 gold au passage. Kling. Mais streamer une arène, ça peut être sympa. Ouais, c'est ménage, c'est sympa. Donc là, on enregistre tous les deux, donc Ouais. voilà un petit test. Donc bonjour à Vous tous, l'avez si jamais cette cherché. vidéo finit par arriver, mais qu'elle est convaincante. N'est-ce pas? Il y a même un petit bout de ma caméra en attendant que toi t'aies une caméra. Oula. Mais ça fait choix cornélien. Pas Cornélien, pas si mal. petit cornélien que ça. Le gros bien. Oh, c'est bien ça. Oh, ça part vite. Donc, ce qui est intéressant, c'est on pourra voir la vidéo des deux côtés. On va essayer, ouais. Même pour nous, en fait, de voir la game avec la carte de l'autre. Bah, les cherche pas, t'as pas de tour 1, vas-y. Hop, tour suivant. Ah bon, j'ai pas de tour 1, moi? Ah ouais, c'est vrai. Comment tu le sais? C'est marqué? Ah non, c'est pas marqué que. Mais non, mais t'as dit que c'était du bluff, donc on continue sur le bluff. Ah oui, c'est vrai. Ça marche si ça fait. Et moi, je réfléchis toujours. Heureusement qu'on se fait pas ban. Ah, bah, moi, j'en ai un tour 1 en revanche. Mais ça, quand je stream, quand j'enregistre, j'essaye de montrer les cartes et d'expliquer un petit peu ce que je fais, ma pensée, des trucs. Bon, c'est un peu le bordel. Mais... Voilà, par exemple, ça. On va pas laisser passer. Salaud! Ouais, ça fait mal. Mais normalement, t'en as deux. Peut-être que c'est de la rare, le Wyrm. Je sais pas comment ça se dit d'ailleurs. Wyrm? Ça casse tout mon combo parce que ça faisait pièces. Bah ouais, tu faisais pièces et sort. Non, mais bon, moins pièces comptait comme un sort quoi. La pièce teste comme un. Compte comme un sort. Punaise. Ah oui, c'est vrai. Bon, ça c'est bien. Est-ce que je leur tape devant la tête du gosse infligé? Tête du gosse ou pas tête du gosse? Tête du gosse pour servir, allez. Ah, ça sert à ça l'arme du milieu. J'aime pas trop ça. J'aime pas trop beaucoup ça. Pas le choix. Y'a pas le choix, y'a pas le choix. Non, c'est une bonne réponse ça. Ouais. Et une carte. Ouais, mais le tourbillon il fait partie de mon combo aussi. Ah, bingo. Bingo. Yeah. Yeah. C'est un peu le préféré lui quand même. Ah oui, j'adore. Ouais. Ah oui, j'adore. Et puis le golem de d'agonie, le gnome. Ah, le gnome d'épreuve. Je sais pas quoi. Ah, je me sens sale. Pas mal, pas mal. C'est David hein, de HSFR qui imite les. Qui essaie d'imiter un peu tout et n'importe quoi. Là, il essaie surtout d'imiter le Wookie, comment il s'appelle, Chewbacca. Ah oui, Chewbacca. Il s'entraîne, il arrive toujours pas très bien, paraît-il. Ouais. Ils sont vraiment super. Ouais, ils sont marrants. Moi, à force de les regarder, des fois, j'ai l'impression d'avoir l'accent belge un peu dans ma tête. Tu sais, l'intonation et Oui.
C'est assez agréable en fait, je trouve. Bah c'est pas... Ouais, c'est plutôt sympa, ouais. Qu'est-ce que j'y fais? Faut que je fasse un truc. Ah non, mais ça c'est quand même... Ah, il va au... Pas dire que le chef il va pas au... sur le terrain là. Hein. Ah bah il est terminé. T'es con quoi, c'est mon combo. Pourquoi tu joues ma carte? Pourquoi tu joues ma carte? Ouais, tu crois que je te vois pas venir avec ton ping et ton bonus là? Ah joli. Tintin, c'est la musique Agence Touriste un peu. Surtout sur cette arme là, c'est joli. Ouais. Là, par contre, ça c'est pour... C'est plus rentable pour manger là. Hein. 6 points, ça se refuse pas quand même. Puisque je vais me prendre des boules de feu dans la tronche. Peut-être tu la piques, tu me rentres dedans et tu survives. Non, il y a mieux. Hop, tu me rentres dedans. Ah non, direct. Bah autant qu'il serve une fois parce qu'il va pas finir le tour normalement donc. Bah, quoi que si tu l'attaques avec l'arme tu te prends au 5 quand même, oui c'est vrai que c'est. Bah ouais, c'est ça, donc non non, c'est pas dans le plan. C'est pas dans le plan. Le plan c'est un peu ça. Ah non, pas... putain j'ai. Oh là là. Epic fail en direct. Bon, on va peut-être la garder celle-là en fin de compte, hein, comme vidéo. Oh merde! Oh le salaud! En plus, toi, si moi je veux pas la garder, toi tu l'as enregistré donc. Exact! Ah oui, je peux l'upload, je peux toujours l'upload. J'ai fait une magnifique win. Oh le connard! Pardon. Ah, c'est pas possible. Ah bah là, je suis obligé de rentrer dedans en plus. Bon, alors on va essayer de limiter les dégâts. Oh putain, c'est pas possible. Heureusement que je prends pas les bonus d'attaque avant. Hein. Ah, pinaise. bon. Allez, on se reprend là. Hello. Au rapport. Voilà du card advantage, comme on dit. Ouais, une pour deux, c'est ça? T'as un truc comme ça? Bah oui, c'est ça, ça te fait deux effets. Deux... C'est comme si t'avais une arme et puis une carte. Ouais. Fabricante d'armes. Bah après, c'est une carte que tu peux jouer pas en fin de tour, mais en début de tour pour avoir l'arme. Comme j'avais déjà une arme. Genre... Non, pas mal. Après, c'est. Je peux combo, je peux. Ouais, j'ai une méga combo là, moi je peux finir 22, 23, ouais, plus 1, 24. Ok, bon. On va faire ça. Quoi, vous regardez? Travail terminé. Quoi vous regardez hein? C'était 3-7 et je peux pas lui rentrer dedans mais parce qu'il y a ceux-là avant là. C'est un peu le but. Bah oui. Bon, au moins ça fait pas mal. Non, c'est vrai. Au moins ça fait pas mal donc on va. On va clean. On va clean, on va voir plus clair. Bon.
Alors, pour 8. Non, mais je peux jouer ça, mais derrière. Est-ce que faut que je joue un truc derrière? Ah, ça fait chier. Je pourrais, mais ça fait chier. Pas top, hein. Pas top. Toi, tu vas me rentrer dans la poire, de toute façon. Possible. J'essaie de faire un combo là. Retournez au travail. Non, c'est mieux quand on attaque, hein, c'est sûr. C'est pas exactement ce qu'il faut faire. Voilà. Et j'ai déjà attaqué, on est d'accord. Peut-être qu'il aurait pas fallu que j'attaque en fait. Bah, je sais pas. Bon, c'était pas trop le. Ça marche de faire ça là? Du coup, tu te dis si je rentre dedans, je vais m'en prendre 8 quand même? Ça impressionne ou pas? Non, je sais pas, c'est la question parce qu'en fait, le boost pour moi, je le vois normalement, tu le caches un peu puis tu te manques d'attaquer évidemment. Si, mais ça impressionne quand même, bien sûr. Parce que tu te dis si je le traite pas. Je vais le manger quoi. Enfin, à moins que t'aies un. Voilà, moi je suis sûr. J'ai le dire. À moins que t'aies cette saloperie. Je déteste hein. Ça est situé là. Aïe aïe aïe. C'est limite de la triche. Hein. attention. Allez, donnez-nous les. On va pas bien. Donc là j'ai 11. Donc déjà. On peut faire 6 points de dégâts. Lui, on peut lui faire 2 et piocher. Lui, on lui tape dedans. Et lui, on lui tape dedans. Pff, vache, c'est tout. Enfin, t'as encore plus de cartes que moi. T'es donc en théorie mieux. Normalement, c'est mieux. Même si j'ai moins de points de vie. On aurait pu faire ça. Non, il y avait plusieurs scénarios. Scénario. Non, scénario en fait on dit. Bah ouais, en français on dit scénario. Bah en français j'allais dire. C'était pour t'énerver. Excellent. Que je peux taunt ou pas? Menace. Non, ben, on serait pas beau. Je manque de pioche dans ce deck. Évidemment, si tu sors plein de légendaires aussi. Ouais, c'est ça la plus.
Maintenant l'intérêt c'est de booster. Enfin de le booster. Pas de jouer les cartes. Jouer les cartes. Ouais. Illidan c'est un truc. Enfin, il est pas lié à une classe quoi, il est n'importe qui peut le jouer quoi. Ouais ouais c'est un autre. D'accord, parce que bien que ce soit démon, c'est pas forcément dans le deck démoniste. Ouais voilà. Donc du coup, peut-être c'est intéressant quand tu vas chercher de piocher tes démons. Ouais, là, c'est tu ça. Tu vas pas chercher de la daube là, si tu veux le chercher ton. Exactement. Combo, là, ouais. Si tu lui mets lui et. Voilà. Bon là ils dorment tous, on est d'accord. On est bien d'accord. Peut-être dangereux ça par contre. On va plutôt taper là. Bon, 12 points de vie, c'est quoi? C'est deux boules de feu, hein, donc tu vois. Sur 10. C'est pour ça qu'Emagos là normalement. Ça peut être très chaud. Flame Strike aussi, c'est pas mal. Ah, même ça déjà. Ça va pas me sauver tout ça. Que je prends un point d'armure, j'ai jamais vu travailler cette carte là, à chaque fois que je vois. Ah ouais. Tu m'as pas vu, tu m'as fait quoi? Boule de feu? Boule de. Non, je t'ai fait. J'ai attaqué avec le perso, puis je t'ai fait ma petite boule de feu du pouvoir. Donc. Ah ouais, ça a suffi, remarque, c'est vrai, que 4 points de vie. Bon, ça m'a attiré, ça m'a filé vachement d'armure en fait. Hein. Ouais. Un fabricant d'armure. Ah non, elle est bien. Ouais, c'est pas mal. Hein. Quand ça veut bien. Surtout qu'à chaque fois, s'il se fait attaquer deux fois, ça fait 2 points d'armure avant de mourir, tu vois. S'il te faut 2 trucs pour tuer. Ouais. Ouais. C'est pas mal, je regrette pas. Je regrette pas. Écoute, ça donc. Non. Elle fait un numéro sexy comique à Munich où elle chevauche une banane géante en caoutchouc qui repartit pompe partout sur la scène. Ah, c'est un petit peu vulgaire, mais on ne regrette pas sa soirée. Bravo. Ah, le cultissime. Ouais. Le cultissime. Papy fait de la résistance. Papy fait de la résistance. On est un peu. On est un peu les papys qui font de la résistance. Hein. Un peu. Je sais pas ce qu'il pourrait me sauver en top deck là. Ça. Exactement. Flamme. Un tir. Un mort. Tu as encore gagné un point d'armure. Encore un. Tu pouvais le faire sur moi, le. Non. De quoi? Le dégât. Ouais, mais je me dis, autant la rendre à un point de vie pour que, si jamais elle veut trader, elle meurt. Oh, j'ai fait un misplay l'autre fois. Enfin, avec ce truc là. Donc j'avais mon super. Avec cette carte là qui arrive là. Donc là le misplay il arrive. Donc j'avais mon Illyrion machin là. J'avais plein de. J'ai comme quelques jeux de cartes, donc quelques démons de feu et tout. Et lui il restait plus qu'un point de vie. Mais c'était sur ma tablette donc je voyais pas bien. Tu vois. D'accord. Je prenais la tablette à distance machin. Donc je joue vite fait, il y avait le tank et le chrono qui passait à fond. Donc je joue le sous-chef cruel, comme ça là. Ouais. Donc et alors donc je sais pas si tu le vois là à l'écran. Et puis et je voulais jouer une autre carte, parce que j'avais d'autres trucs à jouer, hyper important. Et lui, tant qu'il pouvait pas, tant que j'avais pas infligé un point de dégâts à un confrère, à un serviteur. Et donc j'en prends un au pif en disant, oh putain c'est quoi ce truc là déjà? C'est un bonus, un machin. Et j'avais pas vu qu'il donnait un point de dégâts pour plus de 2. Donc j'ai tué mon légendaire, il restait plus qu'un point. Aïe aïe aïe. Voilà, et puis t'as pas le choix quand t'es obligé de jouer un pouvoir, t'es obligé quoi. Voilà, donc là je peux le faire sur toi. Mais, ah bah oui, voilà, oui c'est pas mal. Un serviteur, c'est carrière, ouais. Il meurt, ça va. Putain, mais c'est. Alors j'ai gagné quand même parce que j'ai suffisamment sur le deck. Le mec il a dû se marrer en face quoi. C'est-à-dire, tiens, un noob qui a gagné avec de la chance encore. Bon bah, on est bien là.
N'est-ce pas? Bon, c'est un peu mes grosses bébêtes, je te demande. Pas sans spoiler, normalement, j'ai du Gurabashi qui va arriver. Non, même pas. J'en ai deux là-dedans, 2 sur 11, la probabilité c'est correct. Mm-hmm. Ça fait 1 sur 5 et demi. Il te reste 10 cartes moins 13. Non. Même au deck, tu me gagnes. Encore. La fabricante d'armes. Hein. Ouais, j'ai bien vu. Ouais. Non, ce que tu dis, c'est la fabricante d'armure. Non, d'armes. Ouais. Mais tu l'as déjà joué. J'en ai qu'une. Ouais. Ouais, c'est une bonne carte, ça. Hein. Ouais. C'est quoi? C'est bleu, ça? Même pas? Non? C'est quoi? C'est... Ah non, c'est... Non, c'est une carte blanche de... C'est une commune, mais qui est pas de base. Hein. Non. Donc on n'a pas eu de flamme strike, on a de... on a vu qu'une boule de feu. Non, il n'y a pas eu de boule de feu. Ah non, pas encore, oui, c'est vrai. On va en faire une, hein. C'est un peu con, mais bon. Ah oui. Pas énormément de choix. Donc quand je joue Magos, c'est rare, tiens, le voilà. Le mago, c'est rare que... Ça, c'est pas bien. Non. Non, faut le faire à ton tour d'attaquer. Ouais. Pas si tôt. Enfin, remarque, là, tu lui donnes quand même plus 3 aussi, ça, c'est pas mal. Celui-là est bien, mais l'autre, t'aurais pas dû le faire tout de suite. Il est un point de dégâts. Ouais, mais le plus 3, je peux pas le donner s'il est pas... Ah, s'il est pas blessé, bien voilà, sûr. Voilà, c'est pour ça. Ok, joli. C'est pour ça. Joli. Bon, après, un bouton, machin, je sais bien. Non, c'est sûr. Oui, j'aurais dû tout faire après, en fait. Ouais. Êtes-vous prêts pour ça? Travail terminé. J'ai gagné un tour. Ouais. C'est vrai. Ouais. Donc j'ai bien eu ma chance sur 5 en fait. Avec... Mais gardez les yeux ouverts. De toute façon, tu l'aurais fait quand même le mais si j'avais pas fait mon truc sur lui plutôt que sur l'autre. Mmh. Je sais pas. Ah, la résistance absolue. Déjà attaqué. C'est moi qui ai moins de cartes. Hein. Mmh. Ouais, enfin, assez. On a que 3 de moins, donc... Ah, 3 points de dégâts. Ouais, mais après, c'est chaque action. Hein. Non, chaque fois que tu dois piocher une... chaque fois que tu vas piocher une carte. Ah non, à chaque fois que tu pioches, ah oui. Ah oui, moi je suis mort une fois parce que j'avais que des cartes qui se De toute façon, allez. Tant pis, ça va peut-être un peu. Ah oui. Mais bon, ouais, je joue quand même. Hein. Gardez les yeux ouverts. Donc là, mon deuxième. J'annonce. Deuxième combo. Il y a ça qui est dans mon deck depuis le début. Joli. Mmh.
Est-ce que oui, t'arrives à le tuer. C'est vrai que t'arrives à le tuer de toute façon. Mais bon, est-ce que non, je peux pas attendre. Quoique 5 et 4, 9, il n'y a pas d'accord. Pourquoi c'est autant de temps? Ah, c'est hyper lent. Bizarre. Ouais, c'est très long, ouais, moi aussi. Il hésite, hein? Ouais. On est en train de faire trembler les serveurs de. Regarde ça, il est passé à 14. Yes, allez, ça s'est enregistré de toute façon. J'ai jamais vu autant. Je te préviens, hein, si tu attaques, tu vas te prendre 14, non? Moins. Elle est pas mal. Bon, bah, je crois que. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre? Ah, peut-être. Je crois que j'ai mis un Leroy là-dedans, non? C'est possible que j'ai un Leroy là-dedans. J'annonce. Sur les 5 qui restent. Je peux pas jouer ça et. Attendre. Attendre le Leroy. Ouais. Et donc tu vas me faire 5, 4, avec 4 tours, en gros je mets des trucs. Plus 1, ça fait 6. Comme quoi, hein. Heureusement que tu t'es fait beaucoup d'armure quand même, c'est vrai que ça t'a permis de gagner. Ah bah sinon j'étais mort depuis longtemps. Piocher une carte pour chaque personnage allié, et je pense que moi je suis un personnage allié. Hein. Je peux pas commencer par ça. Ah ouais. Non, je pourrais pas la jouer. Ah, le Kern. Bah, j'ai eu une légendaire, faut bien que j'avoue. Ouais. Ouais. Truc avec charge et je suis mort, mais donc le Leroy. Ou alors attends, à moins que je fasse ça. Et moi je suis mort au tour d'après, donc enfin. Si jamais tu chopes une arme, je suis mort, donc je vais te faire ça. Les armes, je les ai pas toutes vues déjà. Ah ouais, bah de toute façon, c'est bien de faire ça parce que tu gagnes au tour d'après. Oui, en plus, non, mais j'aurais pu servir contre un perso que t'allais me mettre, mais. Oh putain, ça peut me sauver. Oh là là, c'est. Oh là là. Attends, c'est quoi ça? Ça peut me sauver d'un tour? Est-ce que ça, je peux jouer? Ah putain, je sais pas si je peux jouer, bon tant pis. Pour chaque personnage allié blessé, je suis un allié blessé moi. Oui, sinon ils mettent serviteur. Normalement je peux piocher. Ouais. Yes, allez vas-y. Ah non, ah pour chaque un seul. Ah bah oui. Ah je peux encore piocher. Deux points de dégâts. Ça c'est bien. Ah oui, joli. Non, s'il survit, tu pioches uniquement. Enfin, c'est déjà bien d'avoir, d'avoir niqué, quoi. Non, j'avais un autre plan, mais du coup, ça va pas marcher. Ah non, ça marche plus. Non. Bon. Ah, merde. Est-ce que ça vaut le coup de le faire? Bon, de toute façon... faire ça, tenir. J'aurais dû faire ça avant, mais je l'ai eu qu'après. Ouais, je sais pas. Ah, j'ai peut-être mal joué dans l'ordre. J'ai que des cartes qui donnaient des points d'attaque en face en dégâts. Mais... Ah ouais, et voilà. Et voilà. Diable Vauvert, comme dirait Ken Bogard.
Ouais, dis donc, c'est. Waouh, waouh, waouh! GG. Ah, c'était épique! C'était épique. Bon, bah voilà. Bon, tu veux le tester contre autre chose? Ouais, 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 why not? Allez, mon petit. Attends, je regarde juste quelle gueule il a, hein, avant de voir si je l'ai. Si je l'ai ajusté ou pas. Ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Donc, c'est vrai que moi, mon guerrier, du coup, il est. Bah, si j'ai pas les armes du début et puis les deux les quelques serviteurs un peu de début, j'ai pas grand chose. Enfin, ça s'est joué, ça s'est joué un peu quand même. Hein. Ça s'est joué un peu. Ah ouais, chose, ouais. Hein. Ça joue à light, ouais. Ouais. Bah écoute, on va essayer celui-là. Sauf si les combos sortent. Ouais. Écoute, je suis prêt. Ouais, c'est mon voleur. La voleuse. C'est une fille, ah oui. Ah oui, exact. Oui. Boops. On a... J'aime pas les voleurs et les fils de pute. Moi je clique pas, moi j'attends. La victoire ou la mort. Et je commence en plus. Ouais, c'est OP ça. J'aime mieux être deuxième. J'aime bien la pièce, mais. Là, la pièce, ouais. Travail terminé. Je ris, mais. Une armure faite sur mesure. La pièce est la fabricante d'armure. Joli. Joli, joli. Elle est pas très habillée pour une fabricante d'armes. Pour... Alors, faut dire qu'il fait chaud, ouais, sur la. Près de la. Près de la forge. Ouais, j'ai vu des combos avec ça là, un dragon féerique là. Je pouvais pas le taper. Ah, si, sorts, mais il peut pas être, voilà, il peut pas te cibler par des sorts ou des pouvoirs héroïques. Ouais. Non, mais bien boosté, du coup, c'est sympa. Bah oui, mais c'est difficile de le booster parce que. Ah oui, si, par un truc qui fait des effets, par exemple collatéraux, mais sans que tu le cibles lui, quoi, c'est ça. Voilà, voilà, c'est ça. Ouais. Faire ça. Donnez-moi de l'acier. Salaud. Voilà, comment booster par exemple. Ouais. Chercher longue défense. Chaleur. Travail terminé. Super. Exactement celui que je voulais. Ouais, enfin bon, tu vas quand même pas trop te plaindre là, ça va. Mais.
T'es sans compter. Bazingo. Ah, ouais. Voilà. Bon, il va prendre cher, hein. D'options. Et qu'une option, c'est de taper dedans. De taper dedans. Oh, il y a toujours un peu. Je suis guerrier, donc. Oh, mais bah non. Oui, bon, bah dans ce cas-là. Si c'est pour gagner, faut le dire tout de suite. Oh là là, la lame de la perdition, j'aime pas le nom. Alors, j'ai pas, tu sais que j'ai pas compris, je vais être un peu meneux, mais le texte là, cri de guerre, inflige un point de dégâts, combo, inflige deux points de dégâts à la place. Ouais, combo, c'est-à-dire qu'en fait, faut que t'aies joué une carte avant. Ah bon, c'est ça, c'est ça, combo, ouais. Tu vas tâter mon fer, porc. C'est-à-dire que si je l'avais joué en premier, j'aurais fait qu'un point de dégâts, mais en le jouant en deuxième, j'en fais deux. Ah ouais, d'accord. Ah bon, c'était expliqué ça dans le tuto Non. Le combo, ça veut dire non, ça. Non, c'est en regardant des vidéos que j'ai vu ah ça. Ouais, donc c'est pas un truc voilà, c'est pas un truc marqué dans la notice de la bah, peut-être que si tu regardes le. Il y a peut-être sur le site des explications sur toutes tes compétences, toutes tes capacités, hein, je sais pas. Ouais. Les combos, c'est ça en fait, c'est. D'accord. En voleur, il y en a pas mal. En voleur. Et c'est ça, faut toujours le jouer en deuxième en fait. Quoi. C'est... Mmh. En voleur, il y en a quelques-unes des cartes combos comme ça. Après combo, ça veut dire deux trucs, mais voilà. Mais c'est pas un combo spécial avec un truc spécial, quoi. C'est combo avec n'importe quoi d'autre, quoi, en fait. Ça combote avec n'importe quoi. Bon, bah, il va y retourner. Là. Ah. Ouais. Ouais. J'ai pas assez pour faire de l'armure derrière donc. Alors on la joue comment? Pas trop le choix. Allons-y. Tu vas tâter mon frère. Oh. Ah, je me sens sale. Tu m'étonnes avec la tête qu'il a. Oh. Ah, très bien. Bon, on est un peu dans la mouscaille, hein. KT2. Est-ce que ça fait quelque chose? Dommage. Ouais, si t'as pas le truc qui fait les dégâts à tout le monde. Ouais. On va quand même faire liquifier 4. Hein. Ah bah non, pas de sort. Oh, dommage. Lui qui nous gonfle aussi en marque. Ouais, il était temps de s'en débarrasser, tu sais. Et puis... pas de choix. Huit.
Putain, j'aime bien dans le dernier podcast, je parle de Google en disant Google c'est mal, faut se méfier, tout ça. On en reparlera, mais. Ouais. Le premier truc qu'on fait derrière, ça va être une chaîne YouTube. Oui, exact. Exact, exact. Ah, c'est difficile de. Il y a Dailymotion, ouais. Mais ouais. Ça rappelle Dailymotion, hein. Ouais, ça rappelle française. Ouais. Bon, fleuron de l'industrie numérique française, sauvé par Arnaud Montebourg. Ouais. Ah, écoute, moi je trouvais que c'était. Yahoo allait racheter Dailymotion, c'était un peu. Je trouvais ça un peu dur, quoi. Que ce soit Yahoo, quoi, c'est ça. Ouais, puis, ouais, que ce soit Yahoo, c'était en bonne santé. Enfin, c'est pas un truc qui marche du feu de Dieu, ça. Enfin, c'est pas un truc qui a des bons résultats, visiblement. Mais... Bon, alors 9, ça fait 6, 7, 8. Dans mon panier 9. Hein. Écoute, j'ai pas de taunt, alors je vais jouer ça, mais je crois que j'ai aucune... On va faire le bourrin, comme on dit. Ouais, ça donne des cartes en plus. Ça donne des cartes. Un gros câlin. Aïe. Pom pom pom. Bon bah c'était juste reculer pour mieux. Là c'était le truc qui fait un point de dégâts tout le monde, ça. C'est dommage. Ouais, ouais, ou par point de bouclier, il n'y a pas un truc qui fait autant de dégâts. Ah non, c'est à une créature, je crois. Ouais. Ouais, ça je l'ai pas en tout cas. Ah, ouais. Et j'ai pas du coup le zone, ouais. J'ai pas le zone. Donc si je compte, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 6. Et l'autre, je peux pas le tuer. Quoique, attends, est-ce que lui le fait? Si je fais ça. Ouais, lui fonctionne. Ah tiens. La fête. Ouais. Ah parce que c'est pas un sort, exact. Oh joli. Oui c'est un cri de guerre quoi, d'accord. Oui. C'est donc une capacité de la créature. Ah oui joli. Est-ce que c'est ça sert. Non, ça sert à rien. Il faut que je me laisse c'est ça. Essayez ça. Éventuellement ça pour faire ça. Ok, ok. Comme quoi les provocations ça manque parce que c'est ce qui te sauve au bout d'un moment. Mmh. Et là j'ai joué les deux Bazinga là. Bon je manque des provocations dans le deck quand je suis en défense. Bon après on peut pas avoir l'armure et provocation et tout. Hein. Allons-y. Ah tiens, c'est juste pour faire durer le plaisir. Bon. C'était peut-être une énorme erreur. Peut-être. On va peut-être se retourner contre moi. J'avais pas gagné de toute façon, donc... Non, la 4-5. Mais donc, tu finis pas théoriquement au tour d'après. 4-1-5 s'il n'y a pas de boost. Alors que là, t'aurais pu commencer et me terminer au tour d'après. Ouais, mais toi, tu pouvais tuer mon Yeti. Enfin bon. Bah, moi, bien sûr que t'as une solution pour me le virer, là, ce serait autre chose, là, c'est sûr. Ouais. Bah, du coup, là, je l'ai pas. Je l'ai pas. En fait, cleaner le board, j'aime bien, moi. C'est quand même toujours efficace, ouais. Vous n'êtes pas prêt. D'accord.
que tu crois, Illidan. De toute façon, ça c'est obligatoire chaque tour presque maintenant. Ouais. Obligatoire. Et j'ai rien. Et dans quoi je peux taper? Bah apparemment. Juste pour plaisir, parce que de toute façon. On pourrait se le garder. Hein. On pourrait se le garder. Ah, ça sert à rien de te donner des coups, on laisse le garder. Voilà. Tu sais combien ça va coûter? Ah bah voilà. Heureusement que j'ai mis l'armure. Hein. Allons-y. Travail terminé. Et tu l'as refait avant, évidemment. Pour en avoir une toute neuve, toute fraîche. Mmh. Donc ça fait 2 et 1, 3, ça ne tue pas. Qui ne tue pas en plus fort. Non. Ça c'est le Gurubashi. Oui, c'est Gurubashi, voilà, exactement. La devise exactement. Du Berserker Gurubashi. Exactement. J'ai là, j'en ai même 2 dans mon deck pour te le dire, dans mon wow. Dans main. Mais ah ouais. Comment là, c'est terminé de toute façon. Non, j'aurais voulu faire des points de dégâts. Il fait 4. Il donne plus 1. Non, là je crois que c'est définitivement finito. Parce que lui, avec ça je faisais 2 et 1, 3. Ah oui, tu peux pas attaquer avec ton arme, ouais, c'est vrai que... Je peux pas attaquer avec l'arme, mais si je fais 2 sur le chef de raid, c'est mort. Non, bah écoute... C'est fini... Mais, je peux toujours piocher, je me dis. Ah bah oui, tiens. Ah, et j'ai un saccagé. Ouais. Ah, c'était le combo quoi. Avec les berserkers aussi. Bah ouais, c'est le combo quoi. Pas mal. Non, mais alors, je sais pas, mon guerrier du coup. Peut-être que ce manque de taunt vous détruit plus moins cher peut-être. Du coup, si je suis obligé d'attendre un peu avant de poser des choses. Moi, je pense que il te faut des protectrices ou de furie ou des trucs mûches là. De... Ouais, est-ce que j'ai ça? À mon avis, ça c'est bien. Il faut vraiment. Ouais, ça faut que je le crée parce que j'ai des tu sais que j'ai de la poussière. Hein, parce que tu sais, quand t'achètes des paquets, t'as bah, bien sûr. Trip, hein. Donc, à mon avis, en plus, ça doit pas être cher. Enfin, tu vois, c'est. C'est Sulfury et comment il s'appelle l'autre là, tu m'as dit? Alors attends, en carte neutre, il s'appelle... Argus, ah non. Ouais, le défenseur d'Argus. Défenseur d'Argus, ah il est bleu, oui. Il est bleu, il coûte un petit peu plus cher, mais bon. Il fait, ah non, 100 à créer. Moi, je vais le créer. Parce que tu vois, t'as pas besoin de beaucoup de taunt avec ça. Ouais, c'est vrai, bah oui, tu mets au milieu... En plus, les taunt, souvent, ils coûtent un peu cher par rapport à leur ouais, point. Ouais. À part le Senjin qui est... Je pas le mal. En direct. Oh, c'est beau. Il en faut 2, on est d'accord. Hein. Tu peux en avoir 2, ouais. Moi j'en ai qu'un parce que j'en ai eu qu'un dans mes decks, mais. Ouais. Mais je trouve que ça aide bien quand même. Hein. Je sais même pas si je l'ai mis d'ailleurs dans mon deck tu voleur. Sais moi. Tu sais que j'ai 1920 là, et je pourrais me créer une légendaire. Ah, t'as 1920 poussière ? Ah oui, c'est 1600, je crois une légendaire. Ah si, j'en ai mis un défenseur d'Argus. C'est quand même bien ça, à mon avis ça peut vraiment bien t'aider, tu vois. Ouais, c'est ce qui manque, hein. Mmh. C'est ce qui a manqué à des moments. Enfin, en tout cas ça fait partie, puis en plus il fait combien? Il fait un peu de points. Donc bon, c'est pas mal. Parce que moi j'ai le combo Colento du pauvre, c'est-à-dire comme j'ai pas le Leroy, ouais. je fais ça avec la charge. La missilière téméraire, tu vois. Ouais, voilà, ouais. Bon, ça fait... Remarque, au lieu de faire 6, ça fait 5, et elle donne pas de petits jetons à l'autre. Mais bon, souvent, c'est pour finir.
avec pas de l'ombre qui renvoie un serviteur allié dans votre main qui coûte 2 cristaux de moins. Ouais. Donc la missilière elle coûte 6. Ouais. Pas de l'ombre qui coûte 0. Mm. Je peux la relancer quand je suis à 10, je peux la relancer pour 4. Donc ça fait 10 points de dégâts assurés. Ouais, c'est ça. Bon, ce petit combo. Moi je le fais avec, avec les, le panda machin là, tu sais, le maître. Ouais, mais tu peux pas relancer tout de suite peut-être parce que. Tu peux relancer, ouais. Si. Si, ah bon, t'as fait assez ? Mais ça marche à 10, ouais. Parce que moi, le genre. Le Leroy a 4. Ah oui, parce que le Leroy il coûte 4, c'est pour ça. Le Leroy, oui, mais moi je l'ai pas, il coûte 6 la missilière, c'est pour ça. Ah, voilà. Il coûte que 4 le Leroy, ah ouais. Oui, le jeune maître brasseur, je l'ai aussi, moi. Ouais. Voilà. Ouais. Donc lui il vaut 2. Ouais. 4 et 2, 6. Et tu rejoues le Leroy derrière et 4. Ouais, bien sûr, c'est sûr. Là, ça c'est bon, quoi. Donc ça t'envoie 12. Bon, c'est vraiment fait pour finir. Ou s'il est pas mort, le Leroy qui a 2 points de vie, parce qu'il a éclaté un truc qui était déjà un peu mal, quoi. Ouais, un point de vie, il est pas mort, il remonte. Ah ouais, non, c'est. Ouais. C'est bon combo. Et c'est vrai que moi, là, ouais, si j'avais le Leroy, ça serait un peu mieux. Mais... Après, voilà, le Leroy, tu donnes quand même de. Tu peux donner des trucs. Puis booster derrière, hein, tu donnes ça à un chasseur. Oui, non, mais c'est pour ça, c'est ça. En fait, le deck de Colento, le deck. Le voleur miracle, c'est ça, hein, c'est chasseur. Ouais. Pas chasseur, c'est voleur. Ah, c'est voleur. Ah oui, parce que c'est justement voleur qui permet d'avoir. Alors, sang froid pour 1, ouais. Confère plus 2 d'attaque à un serviteur, combo plus 4. Donc, comme tu as déjà joué pas mal de cartes, tu vois, c'est pas mal quoi. Ah oui, moi je m'en sers dans mon chasseur du Leroy, c'est pour faire lâcher les chiens. Parce que ah bah oui, le mec il a deux. Il n'y a pas de créature. Ouais, il a deux petites créatures, oui, c'est vrai. Ouais. Donc au moins ça rajoute 2, si tu as 2 lâchés, si tu fais combien les chiens ils tapent dedans, donc tu te débarrasses des. Mm-hmm. Bah, des dragons avec les chiens au pire. Tu vois, ça sert à ça. Au moins en plus, il y en a d'autres. T'en as. Voilà, au moins ça tue les dragons si tu veux. Donc ça fait. Mais je me dis que le. Qui sortent les dragons, ouais. Je me dis que le Leroy il peut être pas mal aussi côté. Ça, c'est quoi, c'est sur le chaman avec Furie des Vents. Ouais, tu vois, il y a un Furie des Vents. Charge Furie des Vents, tu sais, un truc qui donne Furie des Vents à un serviteur allié. Ouais, ouais, mais est-ce que ça, comment il s'appelle, c'est le. Ah oui, charge et t'attaques derrière, oui, bien sûr, oui. Tu vois, c'est pas mal ça, hein. Charge, parce qu'il a charge automatiquement le Leroy. Ouais, ouais. De toute façon, moi, le Leroy, je crois que je le mets quasiment dans tous mes decks. Hein. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est vrai que c'est. En même temps, c'est comme une boule de feu, quoi. Ça coûte 4 et ça fait 6 points de dégâts, quoi. Voilà. Alors, c'est vrai que ça donne en face. Mais oh, enfin, deux petits tokens. Enfin, à moins d'avoir un. Alors, c'est sûr, contre un Shaban qui aime bien les tokens, c'est sûr que ça peut être. Ouais. Mais attends, comment il s'appelle celui qui donne Furie des Vents ? C'est par le vent, voilà. Pour 4, qu'on fait. Donc, tu vois, pour A8, tu fais Leroy par le vent. Et puis t'as même carrément une carte de druide qui donne Furie des Vents directement. Hein, exact, oui, c'est vrai. Qui coûte 2. Hein. Ouais, Furie des Vents, justement. Mais bon, moi j'aime pas trop ces cartes-là. Moi je préfère. Parce que ça donne pas de carte advantage, comme on dit. Alors que par le vent, ça te laisse une 3-3 sur la table, quoi. Bon. Mm-hmm. Je préfère toujours, moi, des cartes qui font quelque chose, tu vois. Ou... Ouais. Bah ouais, c'est ce qu'on dit. C'est ça les decks contrôle en fait, c'est quand tu joues pas trop de cartes ou tu joues des cartes. Tu vois, moi mon guerrier c'était normalement un peu ça, mais là on n'a pas vu parce que toutes les cartes qui étaient censées contrôler. Bah oui, elles sont pas trop sorties, ouais. Mais voilà, comme quoi, hein, quand ça sort. Tu vois, j'ai eu le Leroy dans la main, tu fais la vidéo, tu verras, enfin c'est rien. Mais... Tu vois, je le cherchais dans le deck d'avant, tu as la deux dernières cartes et là il est arrivé à la pioche, pour ça je me suis marré. Ah oui, dommage, oui, alors que t'avais plus assez de mana pour le. Non, mais il est arrivé en première main là, de la partie. Si tu veux, je l'ai trimballé. Ah oui, d'accord, ok. Bon, après c'est 4, tu peux jouer tour 4, mais quand tu le veux à la fin, je peux. Bien sûr, ouais, tu veux t'en servir. Autant je l'ai eu, il n'était pas dans mes deux dernières cartes de la partie d'avant que là, il est arrivé en première. Comme quoi. Pas mal, pas mal. Bon, on arrête le record maintenant. Ouais, et puis, allez, et puis on verra ce que ça donne. Alors, top prix.